Le grand jour est enfin arrivé pour les fans de Danse avec les Stars. L'édition 2024 débute. L'occasion de découvrir les premiers pas des 12 candidats sur le parquet, mais pas que. Ce sera également une grande première pour Mel Charlot, la nouvelle jurée aux côtés de Jean-Marc Généreux, Fovoto et Chris Marc. Pour l'occasion, elle fait le déplacement de Montréal, où elle habite avec son époux Stanley et leur enfant Mathéo. Un bébé miracle pour le couple. La danse, elle est tombée dedans quand elle était petite grâce à ses parents. Sa maman était danseuse en Haïti, son pays d'origine. Et elle la voyait régulièrement danser avec son papa. C'est lorsqu'elle a regardé l'émission So You Think You Can Dance qu'elle a compris qu'elle pouvait faire de sa passion un métier. Et elle en a fait du chemin depuis. Elle a dansé avec plusieurs artistes comme Beyoncé, Pharrell Williams, Cardi B ou encore Kanye West. Elle est aussi derrière les chorégraphies d'émissions américaines. Quand elle n'est pas sur un plateau de télévision ou en train de se déhancher, Mel Charlot profite de sa famille. Son mari, mais aussi son petit garçon âgé de 3 ans aujourd'hui. Un enfant qu'elle qualifie de « bébé miracle ». J'ai le syndrome des ovaires polykystiques. Lorsque j'ai reçu le diagnostic, le médecin m'a prévenu que je n'aurais probablement jamais d'enfant, puisque les femmes aux prises avec cette condition ovulent moins et sont plus à risque de faire des fausses couches. La veille de commencer un contrat, je ne me sentais pas comme d'habitude. J'ai passé un test de grossesse qui s'est révélé, à ma grande surprise, positif, a confié Mel Charlot à 7 jours. La mère de famille de 37 ans ne s'attendait pas à ce pur miracle. Et fort heureusement, sa grossesse s'est déroulée sans encombre.